Je vous fais une petite démonstration de à quoi ça sert le ballon. C'est une expérience avec un objet qui a une forme, je dirais, longitudinale, puis on va pouvoir le déplacer. Donc vous voyez qu'il va être déplacé de cette façon-là, il va donc être balancé. Puis à chaque fois qu'on le balance de ce bord-là, moi je vais le tirer de l'autre côté pour le rebalancer de ce bord-là, je vais le tirer de l'autre côté pour le rebalancer de ce bord-là. Donc en fin de compte, on crée ce qu'on appelle un anti-ballon. Pour un cascadeur, c'est sûr que quand on fait voler un personnage, s'il se met à se balancer, ça fait pas très sérieux. Donc il faut trouver des stratégies pour éviter qu'il balance. Si maintenant j'utilise l'anti-ballon sur le personnage, ben regardez ce qui se produit. Le pauvre, il va avoir sa colonne qui va subir à la fois des torsions, des flexions. Puis c'est sûr qu'il va prendre plein d'hernies discales et je vais avoir plein de procès. Donc vu que c'est pas mon objectif, ce que je vais souhaiter, c'est plus trouver des stratégies pour faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il balance. La première chose qu'on fait, c'est qu'on le fait souvent lever verticalement ou déplacer latéralement de façon très lente pour qu'il n'y ait pas cet effet de ballon. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on lui met un harnais sur toute la longueur du corps de façon à ce qu'il soit vraiment monolithique, complètement guindé et qu'il ne puisse plus avoir cette sensation-là de faire un mouvement. Ce qui est bien dans les super-héros, par exemple pour X-Men, ce qui est bien, c'est d'avoir une petite cape sur laquelle on va vraiment focusser la lumière de façon à ce que l'œil naturel ait un point de fuite à y regarder la cape. La cape bouge et donc on ne voit pas que les jambes bougent parce qu'on garde la cape. Donc c'est une petite astuce. Puis la dernière astuce qu'on utilise, c'est le fait de ne pas suspendre l'artiste. On ne le suspend pas. On le met juste devant un petit écran bleu et ensuite après on filme tout ce qu'on veut, le déplacement, c'est la caméra qui se déplace, puis on superpose après l'artiste sur l'écran bleu et on a l'impression que l'artiste vole.